Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très rapide en fait pour vous montrer les produits qui vont certainement révolutionner ma vie. Donc ce sont les produits que je m'apprête à tester. Ce sont juste deux petits produits, hein. La vidéo ne durera pas longtemps. Et donc voilà, je vais vous montrer tout ça sans plus tarder. Donc déjà je m'excuse d'avance parce que vous verrez pas grand chose à cause de mes éclairages. Mais je vous mettrai plein de miniatures, je vais m'éclater à faire ça. Donc premièrement c'est un coffret donc de produits pour le soin de la marque Clarins. Pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous en ai parlé, vous avez certainement dû le voir dans un de mes posts. Donc voilà, vous avez 6 produits, je ne les ai pas encore utilisés mais j'ai très hâte de les utiliser. Je voulais absolument vous les montrer, donc on va regarder ça ensemble. Je connais pas du tout les produits, hein, je vais voir ça. Ah oui, ce qui est bien c'est que ça se présente dans un petit coffret comme ceci et j'ai trouvé ça vraiment top, vraiment très très bien. Avant j'avais une routine soin sympa mais là j'avais vraiment envie de changer et je crois que la marque Clarins c'est une marque qui est vraiment géniale, géniale. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. C'est un coffret qui est comme ceci. Derrière vous avez tous les descriptifs, donc c'est ça qui est très très bien avec chaque produit et vous avez tous les avantages de chaque produit. J'ai trouvé ça vraiment génial et voilà, ça se présente comme ceci, comme une trousse en fait. Ah oui, donc ici c'est marqué Clarins et ici c'est écrit Travel Exclusive, donc en fait c'est une trousse de voyage qui regroupe tous les essentiels de la marque Clarins. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors déjà j'ai une crème jeunesse des mains, waouh, donc en fait c'est super parce que c'est un grand tube de 50 ml, donc cette crème est censée adoucir, protéger, hydrater les mains et atténuer les taches, fortifier les ongles. Franchement ça a l'air d'être un très très bon produit. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos. Donc adoucit, protège du vieillissement et des agressions comme le froid, le soleil, eau calcaire, gerçure, hydrate en surface, régénère, prévient et atténue les taches et fortifie les ongles. Je crois que c'est un très très bon produit. Ce qui est bien c'est qu'on peut le glisser dans le sac. À l'origine c'est fait pour voyager mais je trouve que même pour glisser dans le sac ou pour aller en week-end c'est vraiment top. Moi j'ai vraiment hâte de tester et de vous en parler un peu mieux. Donc une fois que je l'aurai testé, elle a vraiment l'air très très bien en tout cas. Ensuite, donc ça, ah oui, ça c'est un produit que je vais adorer. Donc c'est un gel contour des yeux anti-poche et anti-cerne. Donc j'en avais un de la marque Aven que je vous avais montré dans une précédente routine soin. Franchement ce produit là je pense pas vraiment vraiment en avoir besoin, donc c'est à dire que j'ai pas des cernes très marquées ou quoi que ce soit, j'ai pas de poche sous les yeux, mais c'est vrai que j'avais lu que la zone des yeux, du contour des yeux est vraiment très 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 fragile et il faut bien en prendre soin. Donc moi ça me rassurait toujours d'utiliser des petits produits comme celui-ci pour protéger tout simplement cette zone là alors là comment il se présente déjà, on va regarder ça. Ah vous avez une notice aussi, donc par contre là il est vraiment tout petit, hein. Là vous avez que 3 ml, c'est vraiment tout petit, mais c'est vrai qu'on n'en utilise pas beaucoup. Par exemple je me souviens celui que j'avais de chez Aven, il était aussi petit, hein. Il faisait cette taille là je crois. Il coûtait pas très très cher, je crois qu'il était à 9 €. Celui-ci j'ai aucune idée du prix, je vous les mettrai en barre d'infos si j'arrive à les trouver. Mais voilà, je crois qu'il est pas mal, on verra. Appliquer le matin sur le contour des yeux, donc c'est assez simple, on tapote comme ceci et voilà, ça a l'air super intéressant. Vous avez une notice à l'intérieur. Donc c'est toujours top pour découvrir les produits, les avantages et puis la composition surtout. Mais là c'est vraiment un soin anti-poche, anti-cerne expert. Ce gel frais dégonfle les paupières et estompe les cernes. Donc je crois que le matin il n'y a rien de mieux à appliquer. Enfin pour appliquer ça le matin c'est super super bien. J'ai vraiment hâte de le tester encore une fois et de vous en parler dans une revue un peu plus détaillée. Mais je pense que ce produit va révolutionner ma routine soin. Donc en troisième produit, qu'est-ce qu'on a ? Alors cette fois-ci c'est une crème désaltérante peau normale à sèche de 30 ml cette fois-ci. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Ah c'est un tube bleu, il est pas mal, hein. Franchement j'aime beaucoup le packaging, j'aime trop. Vous avez encore une fois une notice à l'intérieur, c'est vraiment très très bien ce qu'ils ont fait. Alors qu'est-ce que c'est écrit ? La crème fine et fondante spécialement formulée pour procurer douceur et éclat aux peaux normales à sèche. L'extrait d'écorce de catafraye, je sais pas ce que c'est, et d'acide hyaluronique favorise une hydratation optimale. L'extrait de bourgeon de sorbier redonne à la peau toute sa fraîcheur, anti-pollution et deux brevets déposés. Donc c'est à appliquer matin et ou soir, et puis c'est écrit voir notice. Ça je pense que c'est un produit vraiment essentiel, je crois que c'est vraiment pour tout type de peau. Même si je sais pas encore à quoi m'attendre, je suis quasiment sûre que je vais adorer ce produit là, dans le sens où ça va me faire du bien de prendre soin de ma peau, de mon visage. Donc voilà, encore une fois j'ai hâte de le tester à fond et ensuite de pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé concrètement d'ici un ou deux mois. Alors cette fois-ci on passe au quatrième produit. Franchement c'est top d'avoir plein de produits à tester comme ça, je trouve ça génial. J'adore en tester toutes les semaines et là encore une fois je crois que je vais m'éclater avec ces produits là. Donc cette fois-ci on a un baume beauté éclair, donc éclaire le visage et retend les traits. Donc à appliquer sans masser, maquiller sans attendre.
appliquer sans masser. Alors, je vais voir ce qui est écrit ici, donc pour voir s'il y a des petits détails. Je crois que c'est celle-ci. Oui, voilà. Donc, cette fois-ci, ils ont écrit baume beauté éclair de 15 ml. Donc, ça va. Encore une fois, on peut le garder un petit moment. Donc, le révélateur de beauté magique qui redonne au visage un éclat incomparable. Aussitôt, la peau est lisse et rayonnante. Encore une fois, un petit coup de cœur qui se prépare. Voilà, il va être intéressant aussi à tester ce produit-là. Ensuite, en cinquième produit, qu'est-ce qu'on a ? Franchement, c'est une très, très, très belle trousse. Hein. Je n'ai pas encore testé, mais je ne sais pas pourquoi je suis déjà satisfaite. Alors là, on a un baume corps super hydratant au beurre de karité spécial peau sèche. Alors ça, c'est parfait pour moi, ça tombe très bien parce que j'ai vraiment la peau très sèche. Pourtant, je bois beaucoup d'eau, je m'hydrate tout le temps, tout le temps. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont la flemme de s'hydrater, de se passer de la crème sur le corps en sortant de la douche. Moi, je m'oblige à le faire, mais j'ai encore la peau hyper hyper sèche. Donc ça, je pense que ça va être pour moi. En plus, j'aime bien le karité, j'adore ça, le beurre de karité. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous ont écrit ? Spécial peau sèche ou très sèche, s'utilise matin et ou soir. Et cette fois, donc c'est la réponse la plus efficace aux besoins des peaux sèches et même légèrement ridées par le soleil, le froid ou l'air climatisé. La peau redevient lisse, douce, satinée et ferme, toutes les qualités d'une peau jeune. Et en plus c'est testé dermatologiquement, j'ai envie de vous dire que demander de mieux franchement. Voilà, encore un produit que je vais adorer tester. Et enfin dernier produit, je crois qu'il y en a pas mal quand même. Donc cette fois-ci c'est un démaquillant tonique express. Qu'est-ce que vaut ce démaquillant cette fois-ci? Alors c'est écrit démaquillant tonique express toute peau, donc c'est génial parce que c'est pour toutes les peaux, ça c'est vraiment cool. Donc de 100 ml, ça c'est très bien. Élimine toute impureté, cellules mortes et traces de maquillage, ravive l'éclat naturel de la peau. C'est vraiment génial. Et donc comment il s'utilise? Donc c'est écrit agité avant l'emploi, en un seul geste, ce soin démaquille, détoxifie et rafraîchit la peau, ne se rince pas et une fois de plus c'est testé dermatologiquement. Donc ça, ça a l'air d'être un très très bon produit que je vais essayer d'utiliser régulièrement et je vous ferai des crash tests en fait. Donc c'est, je sais pas si vous connaissez, en fait on teste le produit en direct et puis vous voyez un peu ce que ça donne. Je crois que je ferai ça pour tous les produits d'ailleurs. Et puis voilà quoi, ça a l'air d'être des très bons produits. En plus c'est un démaquillant à la sève d'orange rénovateur d'éclat. Donc autant vous dire que je suis juste trop contente de pouvoir tester ces produits là. Ce sont vraiment des produits géniaux, en tout cas ils ont l'air géniaux. Je vous ferai des petits crash tests pour que vous voyez ce que ça vaut réellement. Je vous en parlerai aussi donc une fois que je les aurai bien utilisés sur une durée assez longue, un ou deux mois. Pour celles qui se demandent où est-ce que je l'ai eu, donc en fait on me l'a offert, donc c'est une amie qui est partie donc à l'aéroport et on peut les trouver je crois uniquement dans les aéroports. C'est ce qui est décrit ici, cette trousse répond à la réglementation en vigueur dans les aéroports. Conservez-la, emportez dans votre bagage à main vos produits cosmétiques de moins d'un. Bref, donc oui, c'est disponible uniquement dans les aéroports, je pense, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. Surtout que les produits Clarins coûtent assez cher, il me semble. J'en avais quelques-uns avant et là, je suis contente de tester ces produits-là que je connais pas du tout, mais je suis déjà quasiment certaine que je serai entièrement satisfaite et accro à ces produits-là. Mais je vous en parlerai, ça c'est promis. Et puis, un autre produit que je voulais vous présenter, c'est ceci, donc que j'ai eu aussi toujours grâce à mon ami qui est parti à l'aéroport. Donc qui a voyagé. Donc là c'est écrit collection première, vous avez différents parfums. Je sais pas si vous allez voir, oh là là, mes éclairages c'est une catastrophe hein. Je vous mettrai de toute façon une miniature comme d'habitude. Donc vous avez des parfums Cacharelle, Lancôme, Pablo Picasso et Ralph Lauren. Voilà, donc différentes marques et c'est trop mignon. Quand j'ai vu ça je me suis dit waouh, c'est trop beau, faut absolument que je le montre aux filles. Donc voilà comment ça se présente, c'est juste trop mignon. Voilà, donc vous avez en fait des miniatures de parfums. Moi je suis une dingue de parfums, j'aime beaucoup les parfums Dior, les parfums de Thierry Mugler, les parfums de Victor & Rolf, Flower Bomb, j'en suis carrément dingue. Et puis voilà quoi, le parfum de chez Givenchy aussi. Et puis là ça va me permettre de tester d'autres parfums. J'ai vraiment beaucoup aimé les packaging et j'ai hâte en fait de les mettre sur ma coiffeuse parce que c'est juste trop mignon. C'est vraiment le style de packaging dont je raffole clairement et j'aime énormément les parfums. Je crois que pour vous aussi c'est pareil. Donc voilà, ce petit coffret, première collection Paris New York, a l'air vraiment très top et puis je sens que je vais adorer. Ah oui, et pour celles qui veulent savoir, ce sont des parfums de 7,5 ml, donc c'est tout petit, mais voilà, ça vaut le coup pour tester et pour décorer sa coiffeuse, je crois que c'est pas mal. Et donc voilà les filles, ma vidéo est maintenant terminée. C'était des petits produits intéressants que j'ai absolument tenu à vous montrer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos routines soins, les produits dont vous ne pouvez pas vous passer. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup de produits soins, j'en ai pas mal et d'ailleurs je pense
pensais à vous faire une revue pour vous montrer tous mes petits produits soins, mais je suis très contente de pouvoir intégrer ces produits là à ma nouvelle routine. Je vous en parlerai un peu mieux quand j'aurai vraiment testé tout ça, comme je vous l'ai dit, mais voilà. Et puis pour les petits parfums, c'était aussi un petit coup de cœur intéressant, donc j'espère que ces petites découvertes vous ont plu. Je pense vraiment que ces petits produits vont révolutionner mes routines, donc j'ai vraiment hâte de vous en parler de vive voix très prochainement. Comme toujours, je vous fais des énormes bisous, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, ça me fait très plaisir de voir que vous appréciez cette chaîne, c'est aussi votre chaîne, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et tout ce que vous voudrez. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans plein de vidéos. Super bon, je vous le dis encore une fois. Donc dans mes favoris obligatoirement. Et bien sûr j'ai aussi aimé ceci, c'est la crème pour les mains de chez The Beauty Shop aussi, qui sent la menthe.